J'ai trouvé cette Casio dans la boîte à coucou. Alors, il s'agit du modèle Illuminator 5 alarmes World Time 3202 SGW 300, je sais pas quoi, OHGH Stainless Steel Back Water Resistant 10 bar Made in China. Donc je viens d'enlever les quatre vis qui maintiennent ce petit bazar pour voir ce qu'il y a comme pile. Et qu'y a-t-il comme pile? Une CR20, je ne sais pas quoi, je vais regarder en détail. Voilà, il s'agit d'une CR2016. Je vais la remplacer, je vais voir si ça fonctionne. Voilà, c'est pas compliqué. On a ici un joint dont on peut voir, voilà, là, il n'est pas au bon emplacement ici. J'ai acheté une pile et je vais changer donc la pile de cette montre Casio pour voir si elle fonctionne. Le joint qui était déplacé ici est resté en place cette fois-ci. C'est en vérité, mais il faudra peut-être mettre le couvercle parce qu'il y a un petit ressort qui fait le contact. Voilà. Eh bien, ça marche. Elle fonctionne. Voilà, une Casio gratuite dans la boîte à coucou. Je vais revisser le couvercle. Ça m'a coûté 4,60 € la petite Renata CR2016. 4,60 € la Casio. Je vais monter deux terrasses au-dessus, c'est-à-dire là-haut. Voilà, là, ça fait pas 5 mètres hein, par rapport à là-bas, mais bon. Voilà, je suis à 345, il fonctionne en temps réel apparemment. Ce qui est pas mal, c'est une bonne chose. Voilà, je suis deux terrasses au-dessus. Là, effectivement, il y a les 5 mètres par rapport en dessous. Et je vais faire une terrasse de plus pour voir si ça change d'indication. Allez, encore une. Encore une. Allez. Là, ça n'a pas varié. Je vais réappuyer dessus. Trois cent cinquante, exact. C'est parfait. C'est très bien. Et ici, c'est revenu à 340, donc cet altimètre fonctionne en temps réel, apparemment. Voilà.